Alors, Parashat Toldot, c'est la parasha de Yaakov et d'Esav. Autant dire que c'est la parasha de notre âme animale et de notre âme divine. Donc, c'est une parasha qui nous parle personnellement. Ce n'est pas simplement des personnages de la Torah, mais il s'agit de notre personnalité intérieure. Dans notre personnalité intérieure, alors il y a deux personnages. Yaakov et Esav. Ces deux personnages de Yaakov et Esav, en fait, ce sont deux tendances naturelles que nous possédons chacun d'entre nous. La tendance qui nous pousse à nous attacher à Dieu, c'est Yaakov avec nous. Ishtam, Yoshev Oalim. Donc c'est un homme qui lui est simple, simple dans le sens de la perfection. Mais Tam, c'est innocent aussi. Et il y a un autre sens qu'on donne, bien qu'il y a de nombreux sens au mot Tam, mais. Tam, ça veut dire aussi Shalem, parfait. Mais il y a un autre sens que donne le Rabbi Rachab, c'est Retsini, sérieux. Donc un homme qui est sérieux, qui est entier dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit, et qui est assis dans les Oalim de la Torah. Donc dans les tentes de la Torah. Je vais traduire chaque mot, chaque fois que vous entendez, dans les tentes de la Torah. Et en fait, pourquoi au pluriel? Parce qu'au pluriel, historiquement, c'est parce que c'est la tente de Shem ve'Ever. Shem ve'Ever, qui sont Shem, le fils de Noah, et Ever, le petit-fils de Noah. Voilà. Et tous deux ont été des enseignants à leur époque. Ils ont enseigné la connaissance de Dieu, ils ont enseigné les secrets de la Torah d'avant, la Torah qui a été donnée au Sinaï. Tous les secrets qui ont été transmis par Adam Harishon, qui sont arrivés jusqu'à Noir, que Noir a transmis à ses enfants, et par le biais de Shem et Ever ont également été transmis au Avot. Voilà. Donc en fait, on voit une transmission directe depuis le Noten HaChaim. D'habitude, on dit le Noten HaTorah, celui qui donne la Torah. Ici, celui qui donne la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Et en fait, donc, il y a une suite de générations qui donne une Torah qui est en fait une Torah de vie, qui vient de la vie elle-même, qui vient du Créateur de la vie. La Torah de Dieu est encore présente. Et cette Torah de Dieu fait que Abraham, Yitzhak et Yaakov vont accomplir toutes les mitzvot avant que la Torah ne soit donnée. Il faut bien la connaître de quelque part, cette Torah. Donc on voit une transmission naturelle et directe. Abraham Avinu va faire un travail de lui-même pour accéder à la Torah. Ensuite, de son propre travail, il va transmettre à ses enfants, mais il va leur donner également d'étudier la Torah qui viendra de Shem ve'Ever. Et Yaakov, lui, va résider dans les tentes de Shem ve'Ever pendant 7 ans et après encore 7 ans. Donc 7 ans chez Shem et 7 ans chez Ever. Mais on n'est pas encore à ce moment-là. On est au moment où finalement Yaakov vient au monde. Et Yaakov s'appelle Yaakov de l'étymologie de Yud Akev, du Yud de la sagesse de Dieu qui descend jusqu'au talon. Voilà, le Akev. Le talon, c'est ce qui touche le sol. Tandis que le yud, c'est ce qu'il y a de plus haut, puisque c'est lié à la chorma, à la sagesse. Et la sagesse, chez nous, c'est la soumission de l'être intellectuel qui est capable de se soumettre à Dieu. C'est-à-dire que quand on fait les halakhot de Dieu, on ne le fait pas de manière intellectuelle. Ensuite, comme on est soumis à Dieu, on utilise également ce qu'il y a de plus haut chez l'homme, le medaber, c'est le niveau de l'intellect. J'utilise cet intellect pour servir Dieu. Mais au départ, c'est justement mon intellect qui est mon niveau le plus haut qui se soumet à Dieu. Ce sont les deux états que l'on va rencontrer un matin de Torah dans Naasé et Nishma. Naasé, nous ferons, et ensuite nous comprendrons. Naasé et Nishma, il est dit afacitiv, que Dieu a fait toute la création des mondes divins, puis finalement il rajoute afacitiv. Et j'ai également fait. En fait, j'ai également fait, c'est le lien qui peut exister entre le niveau le plus haut de l'être, qui est la sagesse, et le niveau le plus bas de l'être, qui est l'action. Abba Yassad Brata, que le père a donné naissance à la fille. Il y a un lien direct qui s'établit. Dans les forces de l'âme, ça représente donc la sagesse intellectuelle qui rejoint finalement la sagesse la plus naturelle, qui est celle de la parole et de l'action. Voilà. Quand on explique tout ça, ça veut dire que notre être naturel dans le judaïsme, il doit être lié à ce qu'il y a de plus haut. Donc l'être naturel, c'est ce qui va naître d'une soumission à Dieu. La soumission à Dieu par la parole et l'action, c'est une soumission concrète. Dans l'intellect, c'est une soumission
intellectuelle, spirituelle, et qui est le commencement de la soumission de l'être pour devenir un être meilleur. Devenir un être meilleur, c'est le souci de chacun d'entre nous. C'est aussi pour que nous soyons un être meilleur que Dieu nous donne la Torah. Même si on peut objecter que la Torah ne fonctionne pas toujours avec tout le monde, puisqu'on peut voir que de nombreuses personnes ont acquis la Torah, la sagesse de la Torah, et qui sont restées loin de la Torah dans l'expression simple du bien-être de la Torah et de ce qu'il y a d'erreurs dans la Torah, de bon comportement, et ce qu'il y a de bonnes manières et de bonnes midotes de la Torah. Alors comment ça peut fonctionner finalement? Comment on peut recevoir une Torah qui vient de Dieu, qui a été transmise, on voit, depuis le début du monde, depuis Dieu vers ses disciples directs, les hommes qui ont été fidèles à la logique de Dieu, et on voit que Dieu, dès le début, il regrette d'avoir créé un monde mauvais, finalement. Un monde rendu mauvais par les hommes. Pas simplement que les hommes sont mauvais de par eux-mêmes, parce qu'il dit « je regrette d'avoir créé l'homme », mais finalement, ils ont rendu ce monde mauvais. C'est-à-dire, ils ont dénaturé le monde, la beauté du monde. Et c'est pour ça qu'il y a eu le déluge. Ensuite, il faut reconstruire une beauté qui viendra d'un travail naturel de l'homme, mais au sein d'une sagesse divine. Et ça, c'est le travail d'avant Matan Torah. Après Matan Torah, la sagesse divine va passer par un don de la Torah, c'est-à-dire que la Torah va fusionner avec le corps du juif, si bien que l'enfant dans le ventre de la mère va étudier toute la Torah. Donc c'est vraiment que la Torah fusionnait avec le corps du juif. Et peut-être une femme peut se dire, moi la Torah c'est trop compliqué pour moi, etc. On voit que c'est faux, puisque dans son propre ventre, il y a un enfant qui a étudié toute la Torah. Et plus que ça, elle-même a étudié déjà toute la Torah dans le ventre de sa mère. Donc en fait, c'est jamais trop dur, c'est tout juste un niveau d'intérêt. Est-ce que ça m'intéresse à un certain moment de ma vie ou non? Est-ce que j'ai d'autres points d'intérêt, d'autres centres d'intérêt? Mais finalement, la Torah, on l'appelle Torah Traim. C'est la Torah qui nous donne de vivre. Sans la Torah, notre vie n'est pas une vie intense. Quoi qu'on puisse penser, on peut faire des voyages, on peut manger des bonnes choses, on peut écouter de la bonne musique, tout ce qu'on veut. Mais il y a un moment où l'intensité qui peut vivifier mon âme ne peut venir que d'une seule source, c'est la Torah. Même les plus belles musiques des plus grands compositeurs, à un moment, bon, j'en ai marre, ça m'a ennuyé. Et tandis que la Torah, elle vient toucher un point profond au-dedans de nous. Donc maintenant, la question qu'on a posée, c'est comment c'est possible que quelqu'un qui a reçu la Torah finalement peut également avoir un mauvais comportement et puis n'a pas avoir les midot de Yaakov Avinu, qui sont des midot, donc les sentiments et la manière d'être d'un homme qui est Yoshev Oalim, qui est assis dans les tentes de la Torah avec tout ce qu'il y a de bien. En fait, c'est parce qu'il y a aussi en nous Esav. Vous voyez la question, elle aboutit à une réponse. Il y a aussi en nous Esav, et ce Esav, c'est pas juste une histoire dans la Torah, c'est pas juste Rivka qui voit tout à coup ça s'agite dans son ventre. Qu'est-ce qui se passe? Deux enfants qui sont en lutte, deux jumeaux. Ce sont deux jumeaux, faut pas oublier. Mais ce sont des faux jumeaux. Pourquoi des faux jumeaux? Parce que finalement, ils ont vraiment une nature totalement opposée, l'un à l'autre. Parce que l'un va se diriger vers Torah et Mitzvot, et l'autre va se diriger vers les plaisirs du monde. Et finalement, cette lutte qu'il y a entre les deux va occasionner toute la qualité même d'un juif. Qu'est-ce qu'un juif? Finalement, c'est l'expression de cette lutte entre ce qu'il y a de plus fort en lui. Ce que l'on peut appeler le bien et le mal, mais le bien et le mal finalement comme deux notions de vie. La passion de vivre qui s'exprime dans deux directions totalement opposées. Donc bien et mal finalement dans cet ordre de vision des choses, c'est pas forcément bien comme on l'entend, absolu, et un mal absolu, non. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le bien et le mal parce que le bien de Esav fait du mal dans le monde. Et que même ce qui peut nous sembler de moins bien chez Yaakov, ça fait que du bien dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en nous, finalement, c'est très difficile de réellement séparer la part de Yaakov et la part de Esav. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, non pas juste étudier une Torah de manière générale, très évasive, etc., mais essayer de préciser les sujets de la Torah pour comprendre au bout du compte comment nous sommes construits. Et c'est là où l'Admor HaZaken, dans la fin des temps, pour accéder à la Geoula Mitzvah Shlema, une délivrance totale et complète,
total et complet dans notre être. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas mon Esav qui va être en exil et mon Yaakov il est en Géoula. Non. Le Esav et le Yaakov doivent être tous deux en Géoula, donc dans la délivrance. Et pour ce faire, donc, il faut faire un birour dans notre âme. Il faut rechercher le travail qui va nous entraîner à élever également Esav au-dedans de nous. Comment je peux élever Esav? A priori, Esav c'est un tueur, un violeur, un voleur, le pire de tous. Un menteur, il va tromper son père. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un comme ça? Mais en vérité, nous, on a tous une tendance comme ça, qu'on le veuille ou non. Et si on ne travaille pas sur nous-mêmes, les sages nous disent, l'enfant naît comme un ânon sauvage. Un ânon sauvage, c'est très mignon, un petit âne. Il court de partout, il arrache tout, alors comme ça, il a beaucoup de vitalité. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, comment on le transforme? Comment on peut faire de lui un être non seulement civilisé? Et donc, il faut s'éloigner de l'idée même de l'éducation naturelle. Vous savez qu'à une certaine époque, il y avait une idée, d'après Jean-Jacques Rousseau, de l'éducation naturelle. Laissons l'enfant s'auto-éduquer, au lieu de le tronquer, au lieu de le détruire, au lieu de le tordre, de l'amener vers des conclusions qui viennent des adultes et qui ne sont pas toujours bonnes pour lui. Le Tania nous dira, « Chanor lenar alpi darko » Tu dois élever le jeune homme selon son derrière, selon sa route à lui. On va dire, ah, voilà, ça ressemble à Rousseau ici. On élève le jeune homme d'après sa route, c'est comme a dit Jean-Jacques Rousseau. Mm-hmm. Et pourtant, le Rabbi a dit, dans notre génération, dans les générations, grâce à Dieu, à partir, on va dire, du fin du 19e et 20e siècle, dans tous les pays du monde, et même en Russie, c'était l'un des derniers pays où ça s'est passé, on a obligé l'école pour les enfants. C'est-à-dire qu'on a fait que l'enfant ne va plus grandir de par ses propres lois. Et le Rabbi a dit, ici commence la civilisation humaine en fait. Et le fait de décider pour que l'enfant puisse s'éduquer selon des normes d'éducation qui sont jouissables pour la société, qui sont bonnes pour la société, alors c'est une transformation de l'humanité. Et c'est-à-dire que dans l'idée même de la révolution qui a entraîné le fait d'aller jusqu'à couper la tête du roi, et ça, selon la Chassidoute, c'est une chose terrible, puisque c'était une idée, une intention totalement française de se séparer de l'autorité de Dieu, puisque le roi représentait Dieu sur la terre. Alors finalement, on a coupé la tête du roi, comme ça, il arrêtait de nous embêter. Et c'était ça l'idée, et il y a une sikha du Rabbi qui explique tout ça, c'est profondément, ça veut dire vraiment concrétiser le fait de se débarrasser d'une autorité humaine qui est en relation avec l'autorité divine. Parce qu'il y a même une bracha selon le judaïsme que la royauté terrestre est à l'image de la royauté divine. Donc en fait, couper la tête du roi, c'est se déresponsabiliser par rapport à l'autorité absolue. C'est vrai que les rois se sont très mal comportés, etc. Et malheureusement, y compris dans le judaïsme, puisque quand on voit on étudie le Nar, on voit que les rois d'Israël, de la royauté de David, c'était pas terrible. C'était des rois vraiment catastrophiques. La plupart faisaient Avodazara, ils étaient des tueurs, ils faisaient des choses terribles. Il n'y a que quelques rois qui étaient des bons rois. Comment ça se fait? Parce que le travail de lutte entre Yaakov et Esav ne s'arrête jamais. Et quand à la fin des temps, Dieu nous donne le Sefer HaTanya, c'est de nous dire, bon allez, ça suffit. On va arrêter de se disperser, de laisser les choses aller dans le mode naturel des choses. Mais il faut se saisir de l'être qui est en nous. Quand on nous a ordonné finalement, dans la ligne de la Torah, et que c'est finalement devenu un ordre dans le monde entier, d'éduquer les enfants de manière adulte, c'est-à-dire que l'adulte va décider de l'éducation que l'enfant doit recevoir, finalement cette idée-là, elle rejoint totalement l'idée du Tania, et non pas l'idée de Rousseau de laisser l'enfant s'élever de par lui-même. Alors l'idée c'est quoi? C'est que « Chanor lenar alpi darko » Tu éduqueras le jeune homme selon son chemin, et gam ki yaskin, et même lorsqu'il va vieillir, il ne va plus se détourner de ce chemin, il est dit. En fait, c'est quoi son derrière? On voit qu'en chacun d'entre nous, il y a deux lignes. Il y a effectivement le chemin de Esav et le chemin de Yaakov. À droite, le chemin de Yaakov, à gauche, le chemin de Esav. Et dans le ventre de Rivka, déjà, il y avait cette lutte. Yaakov voulait sortir dès qu'elle se rapprochait des maisons d'études, et ça voulait sortir dès qu'elle se rapprochait des maisons d'Avodazara. C'est vrai qu'il y a un pirouche chassidi
une explication chassidite, que le rabbi nous dira que Esav, en réalité, la tête de Esav était bonne. Et en fait, il voulait sortir, faire la réparation des lieux de Avodah Zarah, mais le corps de Esav était faible. Le corps de Esav, on le connaît bien, c'est ce corps-là qui nous entraîne à la chute. Un corps qui n'a pas envie de se fatiguer pour Dieu, qui n'a pas envie de se sanctifier, qui est lourd, qui a sommeil, qui est fatigué avant de faire quoi que ce soit. Alors il pense longtemps avant d'agir. Et quand il agit, c'est avec une grande brutalité, etc. Finalement, ce corps de Esav qui est là, c'est la résultante de l'attachement de l'âme animale avec le corps. En vérité, on va dire que le corps, il a ses propres lois. On a vu dans la paracha précédente que Chaye Sarah, la vie de Sarah, c'est la vie du corps. Et que la notion de tout ce que te dira Sarah, Shema Bekola, tu écouteras sa voix, parce que le corps lui-même, en réalité, d'Atidavo, dans la Geoula, c'est lui qui va vitaliser l'âme. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est l'un des dévoilements de la Chassidut. Dans la Geoula, ce n'est plus l'âme qui va vitaliser le corps comme aujourd'hui, c'est le corps qui va vitaliser l'âme. Et comme Esav représente notre âme animale et qu'elle est plus proche du corps que Yaakov qui représente l'âme divine, en réalité, il y a dans Esav une force particulière qu'on ne trouve pas chez Yaakov. Et c'est pour ça, nous dira l'Admor HaZaken, si je ne travaille qu'avec l'âme divine, je n'ai rien fait du tout, et je n'ai même pas réalisé la raison pour laquelle je suis venu au monde. La raison pour laquelle je suis venu au monde, c'est de travailler sur mon corps et mon âme animale. Et pour ça, je dois me confronter à ma véritable facette et accepter le mal qui est en moi, mais pour le dépasser. Non pas comme dans l'idée de Freud, où j'accepte le mal qui est en moi pour me caresser dans le sens du poil, de dire « Bon, je suis un homme comme les autres, j'ai du mal, je dois vivre avec. » A priori, c'est le début du Tania. À nouveau, oui, on est parti de l'affaire Rousseau, maintenant on fait Freud. Et l'idée, a priori, c'est la même chose que le Tania. Le Tania, il commence à nous enseigner qu'il y a du mal en moi. Mais à un tel degré, nous dit le Tania, que « Afilou shekol haolam kulo » Imaginez que le monde entier dise dans le monde entier « Ouais, quel sadique !» Alors, « Yé ben echa kerasha » Même si le monde entier dit que c'est Yaakov, lui doit dire « Moi, je suis Esav, je ne suis pas Yaakov. » « Kerasha » mais pas « Rasha » vraiment. Et ce « Kerasha », c'est ça, cette situation-là où finalement, je dois toujours travailler pour déraciner le mal qui est en moi. Et si je ne le déracine pas, comme il est caché dans les forces inconscientes de l'âme, il va rejaillir à la surface. Et là, c'est le point de différence entre la psychanalyse de Freud et la psychologie de la chassidut, on va dire, pour parler psychologique. Alors, la psychologie de la chassidut nous dit, effectivement, accepte le mal qui est en toi. Mais non pas pour l'accepter, pour partir de ce monde avec lui, mourir avec lui, mourir ensemble avec le mal qui est en moi, mais pour le transcender, le transformer. Au bout du compte, il faut transformer Esav en Yaakov. Puisque dans Esav, en réalité, il y a une nature à aller également vers les maisons d'études. Mais Esav se dit, non, c'est trop facile. Je vais aller dans les maisons d'études, je vais m'enfermer dans ces maisons d'études, loin du monde et de la réalité du monde. Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres hommes? Alors eux, ils sont jetés dans la jungle de la vie. Et alors Esav décide de sortir à l'extérieur. Et on voit qu'aujourd'hui, par la Shfechut, ce qui nous est demandé par le Rabbi, par le fait de l'idée qui devient une réalité de s'occuper de l'autre juif, qui a jailli sur toute la génération, alors finalement, chaque juif ne peut plus vivre enfermé dans sa cabane de bois, de bambou ou de glace. Il doit aller sortir pour s'occuper de l'autre juif. De quelle manière? Chacun avec sa manière. Celui qui est capable d'enseigner, alors il enseignera. Celui qui est capable de bouger les autres par des actions concrètes, il le fera. Celui qui peut faire tout, il fera tout. Il enseignera, il fera des actions concrètes. Donc il fera Mifsaïm, il enseignera, etc. Au maximum. Et ça concerne tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants. On peut dire les enfants, en théorie, ils sont les grandir. Mais c'est comme ça que l'on élève l'enfant. Comment on peut transformer le Esav qui est en nous? C'est parce que dès qu'il est enfant, ce Esav, on lui apprend également à transformer le monde.
On va pas le jeter loin de, du monde, mais on va pas non plus le plonger dans le monde. On va faire au maximum pour qu'il soit Betarat HaKodesh, pour qu'il ait une éducation dans la Kdusha totalement. Mais également, on va lui donner de rencontrer le monde par le fait de, d'influencer le monde. Et l'enseignement, il est simple, d'après le Rabbi, il n'y a pas 36 solutions dans l'âme. Soit nous sommes Mashpia, soit nous sommes Mekabel. Toutes les fois où je ne suis pas Mashpia, je pense que bon, je suis ni Mashpia ni Mekabel. En fait, je suis Mekabel. Donc, soit j'influence, soit je suis influencé. Et c'est comme ça que je rentre dans l'armée, soit j'influence, soit je suis influencé. Je rentre dans un nouveau travail, soit j'influence, soit je suis influencé. On va dire, alors je rentre dans le mariage, soit j'influence, soit je suis Alors, mais comme le couple, c'est celui qui influence, celui qui est influencé, à tour de rôle, c'est pas toujours l'homme qui influence. C'est pour ça que Chava, elle dira, et quand elle parle d'Adam Arishon, elle l'appellera Isha. Isha, c'est-à-dire mon Ish, le Ish de la femme. Donc il y a un côté comme ça chez l'homme aussi, d'être le Ish de sa femme, ça devient Isha, le Ish c'est là. Et dans ce cas-là, alors l'homme est féminin totalement. Et ils savent qu'heureusement il est féminin. Et Yaakov est totalement masculin. Yaakov est masculin parce qu'il vient du haut vers le bas, à l'image d'Abraham Avinu. Et savent, il est tout entier cette situation de, du Mekabel. Il reçoit, il veut que recevoir. Et en fait, c'est une importante définition de l'âme animale et de l'âme divine. L'âme animale, elle, dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle a un souci. C'est comment je vais pouvoir recevoir de cette personne. Elle ne veut que recevoir. Ce qui l'intéresse chez les autres, c'est ce qu'ils peuvent m'apporter, ce qu'ils peuvent me donner. L'âme divine, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider cette autre personne. Et c'est donc qu'on voit deux mouvements totalement contraires. Donc l'un est Mekabel, l'autre est Mashpia. Quand on est Mashpia et quand on a le souci toujours de donner à l'autre, à la manière d'Avraham Avinu, non seulement on ne perd jamais rien, mais également on n'attend jamais rien. Et ça, c'est l'un des yesodot, l'un des fondements même de notre vie, du bonheur de notre vie. Quand j'attends des autres, alors je suis tout le temps déçu. Le fait d'attendre des autres personnes, et au quotidien, on a chacun de nous dans notre vie, rencontrer des gens qui sont malheureux au quotidien constamment. Et la raison première, c'est parce qu'ils attendent constamment des autres. Ils attendent de la reconnaissance, ils attendent des remerciements, ils attendent du respect, etc. Ils attendent. Et en réalité, ils ont un sentiment secret de se dire, en fait, Magui Ali, il me revient de recevoir des choses. Quelquefois, on entend à mon âge, dans ma situation, dans, etc., etc. Et forcément, ces personnes-là, femmes ou hommes, sont constamment malheureux. Quand on attend de Dieu, on ne doit pas plus attendre de Dieu de cette manière-là également. Dieu, c'est pour ça qu'il est dit dans... Il y a un Yom Yom qui nous dit qu'un chassid est venu voir l'Admor HaZaken et il a dit, voilà, regardez tout ça, etc., etc. Venu se plaindre finalement de ce qu'il n'avait pas reçu de Dieu. Et l'Admor HaZaken lui a dit, mais attends, tu viens me dire tout ce que Dieu n'a pas fait pour toi, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Et en fait, c'est ça, cette notion-là. Il a dit, commence à faire ce que tu dois faire pour Dieu, lui fera ce que tu dois faire pour toi. Là aussi, on ne peut pas être simplement un Mekabel de Dieu. C'est vrai que Dieu, par rapport à nous, est le Mashpia absolu et nous sommes Mekabel. Il est celui qui influence totalement sur toute la vie, évidemment, mais, et nous sommes celui qui reçoit de lui. Mais l'essence même du juif, c'est d'influencer. Et influencer, c'est être attaché à Dieu pour rediriger cette influence divine dans quelque chose d'humain. Oui, j'essaie de le dire simplement. C'est quoi l'influence divine? Ça doit devenir quelque chose d'humain chez nous. Quelque chose d'humain, c'est quoi? C'est encourager quelqu'un, lui dire c'est bien, lui dire des petites choses. Des petites choses, c'est ce qui font des grandes réalisations. C'est vrai. C'est très facile, des fois on fait des choses énormes, mais dans les détails, c'est la catastrophe. On peut monter des édifices, mais dans l'intimité, c'est une catastrophe. On n'est pas capable de dire merci, on n'est pas capable de faire un compliment, on n'est pas capable d'encourager. Finalement, les édifices s'écroulent petit à petit. Il manque le ciment qui va tenir tout l'édifice.
Et à un moment ou à un autre, ça s'écroule. Et en fait, c'est comme ça. On a vu des grandes sociétés, on a vu des grandes... même dans le monde peut-être de la troupe, dans le monde de ce que l'on fait de bien pour les autres. Pourquoi ça s'écroule? Parce que peut-être il manque de ce ciment qui donne que toutes les choses deviennent fortes. C'est quoi ce respect pour l'humanité et ce désir d'apporter du bien et de faire du bien à l'autre? En fait, le fondement d'une idée, le fondement d'une réalisation, c'est ce qui va apporter la réussite de cette réalisation. Et le fondement, c'est que pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour moi, c'est-à-dire pour mon âme animale, pour Essav qui est en moi, ou est-ce que je le fais pour mon âme divine? C'est-à-dire, dans ce cas-là, si je le fais pour mon âme divine, je le fais pour tous les Juifs. Quand je fais quelque chose pour mon âme divine, effectivement, alors je le fais pour mon Avodat Hashem, je le fais pour mon propre bien, mais ce propre bien, il rejaillit sur toute l'humanité. Parce que je sais que faire Avat Israël, c'est bien pour moi. Que d'aimer un autre Juif, c'est bien pour moi. Que d'encourager un Juif, c'est un encouragement. Et on sait bien ce qu'il est enseigné, c'est que quand je vais juger un autre Juif, c'est moi que je vais juger. Juger un autre Juif, c'est se juger soi-même. Et même juger un être humain, en vérité. Donc c'est pas aussi facile que ça. Et au bout du compte, on doit commencer à aimer l'humanité, le judaïsme, tout ce qui est vivant pour apporter la vie divine à un monde naturel. Mais si on délaisse le monde, si on le laisse dans son état naturel, forcément, il est entraîné vers la chute, vers le bas. Pour l'élever, il faut s'élever soi-même. On ne peut pas élever le monde si nous-mêmes nous trouvons en bas. Donc à un certain moment, il faut décider, est-ce que je prends sur moi de devenir Yaakov ou je reste Esav? Et ce choix, il est profond dedans de nous, c'est un engagement vers la Kedusha, vers la sainteté qui va nous transformer et nous transporter vers un monde divin mais vécu au quotidien, avec ce respect de la vie infini qui fait que je deviens au bout du compte quelqu'un de bien. Et Yaakov, si on va le cerner avec tout l'enseignement, c'est quelqu'un de bien, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Il essaie de faire du bien. De faire du bien à sa famille, à ses enfants, et avant ça, de se comporter bien avec son père et avec son entourage. Et quand il va étudier, il est assis, il ne dort pas, il se donne à fond, jour et nuit. Et comme ça, en fait, on devient quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, ça coûte cher d'être quelqu'un de bien. Il faut vouloir le désirer, le rester, mais on ne doit pas le faire pour l'orgueil de ce que j'ai obtenu. On doit le faire parce que finalement, c'est la volonté de Dieu. Et comme c'est la volonté de Dieu, alors, je ne deviens pas quelqu'un de bien parce que c'est bien pour moi, c'est plus facile pour moi, mais parce que Dieu le veut. Et c'est toute la différence. Et c'est ça la personnalité de Yaakov Avinu, en réalité. Celui qui transforme une vie naturelle en vie divine. Et on le verra par la suite lorsqu'il va sortir vers le monde, il s'endort automatiquement. Parce qu'il s'endort de rentrer dans un monde où Dieu n'est pas forcément dévoilé. Il va travailler dur pour dévoiler dans le monde et préparer le monde à Matan Torah. Mais dans notre parasha, on voit que Abraham a enfanté Yitzhak. Et la paracha nous le dit comme si c'était un grand chidouche, on le sait déjà, puisque c'est pas maintenant dans notre paracha, que Abraham a enfanté Yitzhak. Alors, l'enseignement, c'est que quelqu'un est capable d'enfanter le contraire de ce qu'il est lui-même. Abraham Avinu est capable d'enfanter Yitzhak, qui est totalement le contraire de sa personnalité. En quoi il est le contraire? Dans la notion de chesed et de gvura. Abraham est chesed, la générosité, et Yitzhak est Gvura, la rigueur. C'est la rigueur de Yitzhak qui peut donner naissance à Esav. C'est-à-dire que la rigueur elle-même, quand elle est trop poussée, elle peut donner naissance à quelqu'un qui ne désire qu'obtenir et non pas donner. La rigueur poussée au maximum, c'est ça, c'est la naissance de toutes les forces du mal. Je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. Magui Ali, il me revient de droit, je suis quelqu'un qui a travaillé pour ça, je suis ici, c'est là. Finalement, au bout du compte, on est, comme on l'a dit, toujours déçu, toujours déchiré par la vie, toujours ballotté. Et quelquefois, quand on veut reprendre sa revanche sur la vie, alors on peut faire des choses horribles pour l'emporter sur le destin. Comme ça, de nombreuses personnalités humaines ont fait des choses horribles, que ce soit des hommes qui sont devenus des conquérants dans le monde, comme, je sais pas, comme Napoléon, etc. D'autres personnes
qui sont partis de rien, qui ont été humiliés, et puis qui ont pris une revanche terrible, comme Hitler, Napoléon et Marshman. Et ces hommes-là sont des hommes qui ont été totalement écrasés par la vie, et puis qui se sont relevés et qui ont pris sur eux de faire la guerre au monde entier. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient tout obtenir. Leur désir de pouvoir était tellement grand que ça a donné... Alors en réalité, nous, on se confronte à ça au quotidien. Dans notre être, ça devient la lutte entre l'âme animale et l'âme divine. Et cette lutte entre l'âme animale et l'âme divine, c'est aussi notre vitalité. La vitalité de notre être, c'est ce qui nous fait grandir. Et ce qui va transformer, en fait, l'obscurité en lumière, c'est cette lutte entre l'âme divine et l'âme animale. Et Yaakov et Yud qui descend jusqu'au Ekev, c'est exactement la situation de l'âme divine qui descend jusqu'au niveau du talon. Pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov, on le voit dans la paracha? Parce que quand il est sorti du ventre, finalement, Esav est sorti, Yaakov tenait le talon de Esav. Et le talon, donc, c'est ça, finalement, c'est le Ekev. Mais en fait, pourquoi il tenait le talon de Esav? Il est dit dans le Midrash qu'il a vu que dans Esav, il y avait des neshamot extrêmement élevés. C'est vrai qu'Esav, son corps était très mauvais, mais dans le talon de Esav, il y a des âmes extrêmement élevées. Et on voit que le nom qui va ressortir de ça, de quoi on parle? On parle de ces juifs qui vont venir de Edom. Et ça va entraîner le monde d'Edom. Edom, c'est le monde européen, à partir de Rome. Ça va devenir le monde européen. Et Yaakov, lui, va tenir le talon. Il sait que dans ce monde-là, va sortir des âmes extrêmement élevées, comme l'âme de Rabbi Akiva, l'âme de Onkelo Sager, de Rabbi Meir, et en particulier Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Yaakov et Akiva sont tous les deux liés au Ekev, qui est le talon. On voit dans le nom de Akiva et de Yaakov la même source étymologique de Ekev, le talon. Et Akiva, finalement, on dit que c'est du mérite de sa femme qu'il est devenu Rabbi Akiva. Ce Akiva ben Yosef, alors, qui est un guerre ou un ben Gerim, est devenu finalement l'un des hommes les plus intelligents de tous les temps dans le judaïsme. Une intelligence de Torah. Il possédait déjà une intelligence humaine immense. Rabbi Eliezer Agadol dira que l'intelligence de Rabbi Akiva était comme les murailles de Jérusalem, aussi grande que les murailles de Jérusalem. Et cet être-là, c'était un homme qui était intéressé par tout ce qui vit, tout ce qui est, qui avait un respect pour la vie dans toute son étendue, dans les moindres détails. Il connaissait tout de tout. Chaque métier, chaque emploi de chaque personne, dans chaque situation. Il connaissait tous les dynimes de la Torah. Et c'est un homme qui était capable de se mettre sur pied à partir de rien. Et c'est l'exemple pour nous d'un homme qui vient de Esav et qui se transforme et qui devient Yaakov. Mais comme il sait qu'il y a en lui une part de Esav qui vit avec lui jusqu'au bout, et que son corps, au bout du compte, il est encore attaché à Esav, alors toute sa vie, il n'a vécu que pour atteindre le Messirut Nefesh, le don de lui-même, le fait de donner son corps à Dieu, comme il a donné son âme à Dieu, comme il a donné sa vie à Dieu, et il veut finalement mourir avec Kiddush Hashem pour Dieu. Et ça, c'est le moment où Esav brûle dans le feu du sacrifice et devient finalement lui-même Yaakov. Et cet enseignement-là, en fait, pour nous, on n'a pas besoin d'atteindre ce niveau-là. Le rabbi nous dit qu'il y a deux sortes de Messirut Nefesh. Le don de soi. Le don de soi de Yaakov et le don de soi de Esav. Et le don de soi de Yaakov, je dis des bêtises, non, c'est pas, je reviendrai. Il y a le don, ce que je dis c'est vrai, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il y a le don de soi d'Abraham et le don de soi de Esav. Non, je dis encore des bêtises, on continue. On reprend. Il y a le don de soi d'Abraham et le don de soi de Rabbi Akiva. Ah non, on retourne sur nos pieds. Le don de soi, parce que c'est dur de traduire en fait, de traduire, de parler, de trouver. En hébreu, ça serait plus facile. Alors, il y a le Messirut Nefesh, oui, don de soi, Messirut Nefesh, ça. Le Messirut Nefesh d'Abraham Avinu, le Messirut Nefesh de Rabbi Akiva. Voilà. Et comme on a dit, le Esav de qui est en Rabbi Akiva, c'est lui qu'il faut transformer. C'était Yaakov qui ressemblait à Rabbi Akiva. Non, c'est parce que dans Rabbi Akiva, le corps est lié à Esav. C'est pour ça que Yaakov attache. Voilà, c'est ce qu'il veut transformer. Le rabbi nous dira un enseignement, il nous dira que Rabbi Akiva savait très bien qu'il pouvait mourir Bemisro Nefesh pour Dieu. Mais pourquoi il a voulu toute sa vie mourir Bemisro Nefesh?
Pourquoi il a voulu mourir, brûler, donner sa vie pour Dieu, dans un don de soi pour Dieu. C'est parce que ce qui est possible, on dit ce qui est bekoar, ne ressemble pas à ce qui est bepoal. Ce qui est impossibilité dans l'être, alors quelquefois il y a vraiment un gouffre entre la possibilité et la réalité. C'est vrai qu'il y a des choses en possibilité chez moi, mais est-ce que je vais les réaliser un jour ou l'autre? Rabbi Akiva voulait passer à l'acte et réaliser ce don de lui-même et élever son corps au niveau de son âme. Ce souci, ça a été de mourir pour Dieu. Et là, alors, je rapporte maintenant l'enseignement du Rabbi, qui dit que le Messirou Nefesh, je peux dire en hébreu, ça va comme ça? Vous avez compris? Messirou Nefesh de Avraham Avinu était plus grand que le Messirou Nefesh de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, toute sa vie, il a voulu mourir pour Dieu. Et Avraham Avinu, lui, toute sa vie, il a voulu vivre pour Dieu. Mais chez Avraham Avinu, s'il fallait mourir, il était prêt. Tous les jours de sa vie, il était prêt à mourir, on l'a vu concrètement. Il est rentré dans le feu, dans la fournaise, un feu de 3 jours de marche, plutôt que de s'agenouiller devant une idole. Donc il était prêt à mourir pour Dieu tout le temps, toute sa vie. Mais mourir, il ne voulait pas du tout mourir avant la venue. Il voulait vivre. Et en fait, ça ressemble beaucoup plus à ce que nous devons vivre aujourd'hui dans notre judaïsme, ce que la chassidoute attend de nous, vivre même et sur une nefesh. Chacun de nous est capable à un certain moment de se donner tout entier de mourir pour Dieu. Mais si après on nous dit, bon d'accord, et qu'est-ce que tu fais 5 minutes après? Quand j'ai atteint le niveau le plus haut de mon âme, j'ai fait comme Lazar ben Dourdaïa, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai atteint le niveau le plus haut. Yechidash panifesh. Mais après, comment je reviens à ma vie? Comment je vais gagner ma vie? Comment je vais travailler? Comment je vais payer mon loyer, etc., etc. Comment je vais me confronter à cette vie au quotidien? Vous voyez, c'était un héros, un super-héros, il est devenu un homme commun. C'est dur. Alors en fait, c'est ça la vraie difficulté. Et c'est là où au quotidien, on se confronte à ces deux personnalités. Celui qui croit qu'il en a terminé avec Esav, alors qu'il n'est pas devenu un tzaddik, alors il n'a pas du tout commencé le travail que la chassidoute attend de lui. Le premier travail, c'est de se dire, il y a en moi Esav et Yaakov. Et la plupart du temps, j'ai une tendance à être Esav, mais si je ne l'accepte pas, je ne vais pas commencer mon travail. Dès le moment où j'ai accepté les saves qui est en moi, alors je peux commencer à travailler. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le feu de la vitalité de les saves et l'utiliser pour le service de Dieu. Je dois prendre même la force de questionnement qui est dans les saves et je dois l'utiliser pour poser des questions de toi. Et alors je me transforme. Qu'est-ce que vous venez de dire? Les méchamotes de Guérim, elles viennent pas des cheveux d'Abraham? Oui, ça c'est un enseignement qui vient de. On le verra même avec Yitzhak, mais c'est vrai qu'il est dit qu'il y a un tzaddik qui est descendu dans la Merat Amerpela. On va nous raconter la semaine dernière. Et dans Chaye Sarah. Et il a vu Sarah qui fouillait dans les cheveux d'Abraham. Et l'explication des sages, c'est que Abraham, lui, il accepte tous les guérim. Et Sarah, elle vient et fait le tri. Elle enlevait des âmes comme ça. Non, mais en réalité, c'est aussi lié à la paracha précédente, mais c'est lié à l'éternité de notre judaïsme. Donc, il y a ce qui s'appelle un Yichud Ma'iban. Un Yichud Ma'iban, c'est l'unification du nom Ma et du nom Ban. Le nom Ma'iban s'obtient par le fait que l'on remplisse le nom Yud-Kevav-Ke. Quand on le remplit avec des Yud, Yudin au pluriel, la lettre Yud, on obtient la gématria, la valeur numérique de maintenant c'est Ab, je suis parti plus trop là, on descend plus bas. Quand on est rempli avec Aleph, on obtient la gématria de Ma. D'accord? Quand on remplit avec E, on obtient la valeur numérique, gématria de Ban. Par exemple, je vous explique en vitesse, on le voit dans le Pater Eliyahu qu'on dit à la veille de Shabbat, quand on dit Yud Kevavke, on l'écrit, le Yud Vav Dalet. Maintenant, c'est surtout dans le E qu'il y a des grandes différences. Le E, on peut l'écrire E Yud, E Aleph, E He. Et dans ce cas-là, ça fait une valeur numérique différente, puisque chaque lettre a une valeur numérique différente. Vous comprenez? Comme ça, j'obtiens les gématriotes, les valeurs numériques de Av, Sag, Ma, Veban. D'accord? Voilà. Et en fait, ces notions, ce sont aussi les notions de Mashpia et Mekabel.
Celui qui influence, celui qui reçoit l'influence. Pourquoi l'histoire de Eliezer prend tellement de place dans la Torah? On raconte Eliezer qui se prépare à aller chercher une femme pour Yitzhak. Alors voilà, on voit la scène qui commence et puis Eliezer se confronte à la situation, etc. Après, la situation se prépare bien. D'abord, il dit ce qu'il va faire. Après, la chose se passe. Il rencontre effectivement Rivka, parce que lui, il dit, la première qui viendra, elle me posera à boire et donnera à boire à mes chameaux, etc. Alors là, dans ce cas-là, ça sera une femme pour la maison d'Abraham, qui est une maison de chesed, de générosité. C'est pas simplement ça, mais ensuite, il continue à raconter. Il rencontre la maison de Rivka, il va raconter son histoire. Bon, le kitsour, ça s'arrête pas. On raconte ce qui se passe à l'infini, etc. On se dit, mais on n'a pas besoin de tous ces détails. Alors que des grands passages, ou plus précisément, alors que des halakhot, des lois de la Torah que l'on a besoin de savoir dans les moindres détails au quotidien, il y a juste un petit remes comme « Uletotafot benenecha » pour les tefillin. Voilà, il est juste écrit « Uletotafot benenecha ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut apprendre qu'est-ce que « totafot ». C'est de l'hébreu ce mot, c'est pas de l'hébreu. Bien, on se pose la question. Nous, on croit que tout est compréhensible dès qu'on parle hébreu, pas du tout. Ou les totafot, c'est quoi? Ben enecha, entre tes yeux. Alors on apprend, on doit tirer de là des halakhot, et de nombreux halakhot sur les tefillin, que ça doit être noir, que ça doit être carré, que ça doit résider entre les yeux, mais c'est pas vraiment entre les yeux, c'est à l'endroit où, finalement, là où il y a le bébé, la fontanelle du bébé, là, le début de la racine des cheveux. On doit tout ça apprendre d'un seul passo. Comment on peut apprendre ça? Et pourquoi dans ce cas-là? Puisque c'est très important pour nous. Au quotidien, on va vivre avec ça. Et l'histoire du Shidour de Yitzhak, on aurait pu raccourcir. La Torah aurait pu raccourcir. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. En fait, l'explication, c'est que, d'après les enseignements du Rabbi, c'est qu'il y a ici un Yichud, une unification de Mahouban. C'est-à-dire que comme ce sont des âmes qui vont entraîner la naissance du peuple juif, c'est utile et c'est utilitaire pour toutes les époques à venir, pour tous les temps. Et de là, on apprend que l'union du masculin et féminin dans les mondes divins, aussi bien que dans la réalité humaine, dans ce monde ici-bas, c'est tellement important que la Torah, elle va aller dans les moindres détails de cette union. C'est-à-dire, chez le juif, on ne doit pas penser qu'on arrive au mariage, on vit le mariage, et le shidour, ce n'était pas important du moment qu'on a rencontré quelqu'un, il fallait aller vite. Non, le shidour, c'était important. Et tous les couples qui n'ont pas fait de shidour, ils en souffrent après. Parce qu'ils n'ont pas discuté des conditions du mariage. La Torah nous a appris ici, il fallait définir des conditions, comment on veut, comment on voit la vie. Et même disons, hop, la première rencontre, on est amoureux l'un de l'autre, n'empêche, il faut décider. On a beau être amoureux, il faut décider comment on va vivre. Une veut vivre en France, l'autre veut vivre au Canada, l'autre veut vivre à Hong Kong, l'autre en Israël. Alors, il faut se décider, comment tu veux ta vie, comment tu vois les choses. Tout ça, il faut décider au départ. Et ce sont les conditions, mais déjà, quand la Torah s'est allongée dans les détails, etc., même l'idée de l'argent que l'on va donner, etc. Pourquoi tout ça? Pour nous enseigner que l'union d'un homme et d'une femme, c'est le judaïsme tout entier. C'est la vie qui va être transmise, et c'est finalement la vie du judaïsme qui est transmise par le fait qu'un homme et une femme vont s'unir. Et auparavant, au début de tout, au début du monde, alors qu'il n'y avait qu'un seul juif dans le monde, c'était Avraham Avinu. Il s'est marié avec une femme qui est devenue la seule juive du monde, Sarah et Manon. Ils ont enfanté un enfant juif, alors qu'ils avaient enfanté un enfant qui n'était pas juif, qui était Ishmaël, par le biais de Hagar. Ils ont enfanté et donné naissance à un enfant juif qui est Yitzhak. Maintenant, le mariage de cet enfant-là, c'est la chose la plus importante pour la Torah. Parce que s'il n'y a pas ce mariage-là, s'il n'y a pas cette continuité-là, forcément, toutes les halakhot qui vont venir après, ça ne va rien du tout. Il n'y a pas de juif, à quoi ça sert les halakhot? Donc de là, on comprend bien que combien c'était important pour la Torah de ce mariage-là. Et on comprend comment, finalement, la vie au quotidien de chaque maison juive, c'est très important. C'est pour ça qu'on verra dans la Torah du Rabbi, les lettres du Rabbi, combien le Rabbi va rentrer dans les détails de notre vie quotidienne. Combien il va s'intéresser, finalement, à la femme juive, à la manière dont elle va se comporter dans la maison, comment il faut se comporter par rapport aux enfants, les moindres détails. On va dire, le rabbi n'a rien à faire, il peut rentrer là-dedans. Un homme qui connaît toute la Torah, qui peut du matin au soir étudier toute la Torah, pourquoi finalement, quand il nous parle, il rentre dans les moindres détails de toute chose? Et le rabbi va dire, attention,
Ne prenez pas des animaux impurs quand vous achetez des vêtements à votre enfant, des jouets à votre enfant. Et le rabbi va parler de tout. Dans une sikha de la semaine dernière, on a vu le rabbi parler de Mickey Mouse. Parler de Mickey en Amérique, il dit le symbole de l'Amérique qui est une souris. Et ce symbole-là, allez savoir pourquoi ils rentrent même dans les manuels juifs, etc. Alors il faudra les sortir de là. Et le rabbi dit comment il faut dire. Alors quand on expliquera le Aleph, et que le Aleph, c'est quoi? C'est un Yud en haut, un Yud en bas, comment on va le représenter? Alors le rabbi explique, on ne va pas le représenter par des choses impures. On va représenter un juif qui porte de l'eau. Il a un seau en haut et un seau en bas. Comme ça dit le rabbi, il nous dit exactement. Il nous dit, mais allez savoir pourquoi. Alors il est à côté pour donner vraiment de ressentir qu'il a pris l'eau dans le fleuve. Alors on dessine le fleuve à côté. Tout ça, c'est la sikha du rabbi. On dessine le fleuve à côté et puis dans le fleuve, il y a des poissons. Tout ça pour que l'enfant ressente qu'est-ce que c'est le Aleph. Mais allez savoir pourquoi il y a un chat qui est là sur le berger du fleuve. Alors il dit le rabbi, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce chat, on le jette de l'image. Et on se transcende tout ça. Et en fait, on prend soin de faire que notre enfant il devienne Yaakov et que Esav, lui, on le repousse au maximum. Et quand finalement, parce que l'enfant, en plus, il va manger, plus il va boire, il va dormir dans ce monde, plus il va jouer du monde, plus il va avoir une tendance à aller vers Esav, et dans toute son enfance, il est une âme animale, il ne veut que pour lui, je veux tout le temps. Il fait des scènes du matin au soir pour ce qu'il désire. Et les parents sont quelquefois choqués de dire c'est pas possible. Alors. Mais c'est comme ça que l'enfant se construit, c'est comme ça qu'il va faire une transformation de son être. Et même les tzadikim étaient comme ça finalement. Petit bébé, puis en grandissant, ils avaient ce besoin d'obtenir. Et pourtant, ils se sont transformés. Donc en fait, l'éducation, c'est de savoir qu'il y a une transformation dans notre enfant, qu'il porte les deux tendances et nier le fait qu'il porte en lui. Et ça, c'est se fermer les yeux sur l'éducation et faire en sorte qu'il ne se transforme pas. On ne peut pas transformer du moment qu'on n'a pas accepté qu'il portait en lui également Esav. Alors on se dit, c'est Yaakov, on ferme les yeux sur toi. Mais le petit Yaakov, il est aussi un petit Esav. Alors, en réalité, il faut le conduire sur le chemin de l'éducation. Et l'éducation pendant l'enfance, c'est lui donner tous les moyens de devenir lui-même, de devenir ce Yaakov qui est enfoui au-dedans de lui. Et n'oubliez pas dans le Tania comment il est dit. Le Tania nous dit que, en fait, Venefesh Hashenit Sheba Yehudi, la seconde âme qui est dans le juif. Pourquoi il dit Venefesh Hashenit alors qu'on va parler de l'âme divine? Qu'est-ce que c'est la seconde âme qui est dans le juif? C'est l'âme divine. Et elle correspond à Yaakov. Alors, mais pourquoi elle s'appelle la seconde? Parce qu'en fait, pendant toute notre enfance, on vit à proximité avec Esav, qui est l'âme animale. C'est pas mais, la sikhrit, non, la sikhrit, en réalité, elle apparaîtra seulement à la bar mitzvah, ou à la bat mitzvah, seulement à l'adolescence. Et le chidouche même de l'adolescence, c'est le da'at. Et le da'at, c'est la construction de l'intellect. Le monde aussi a été construit comme ça. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit dans la construction d'un enfant, on l'a vu dans les mondes divins et on le voit dans la construction du monde lui-même. Le monde est passé de 2000 ans de Tohu à 2000 ans de Tikkun. Et 2000 ans de Tikkun, c'est la formation de l'intellect. Et ça correspond à Zer Anpin dans les mondes divins. C'est-à-dire la petite figure des sentiments dans le monde divin. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut connaître, selon la Torah, tout ce que l'on peut connaître, ce que l'on doit connaître sur l'éducation, on doit le connaître par rapport à des sources qui viennent du monde de la Kabbalah, du monde des âmes et du monde des dévoilements divins. Zer Anpin, c'est un enfant qui a grandi dans le ventre de la mère, dans Hatzilut, et puis il va grandir. Et quand il va arriver à la bar mitzvah, il va mettre les tefillin, etc. Tout ça, on dit que c'est dans les mondes divins. Et quand on apprend là-bas, alors on peut comprendre comment ça fonctionne ici. Et on doit relier les deux, absolument, pour faire que finalement notre vie elle soit une vie remplie de sens, d'un sens divin. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une explication au fait qu'il y a un corps avec le talon et ça, pourquoi pas les cheveux ou... Oui, alors justement, le talon, c'est parce que le nom Akiva, vous voyez, il est lié au talon. C'est l'une des explications, la première explication de l'autre. Akiva, ça veut dire Ekev aussi, ce sont les mêmes lettres comme Yaakov. Et de là, il va recevoir son nom Yaakov. Mais
L'explication est reliée également au fait qu'à la fin des temps, nous sommes aujourd'hui considérés comme la période du talon du Mashiach. À la fin des temps, alors, il y aura particulièrement quelque chose qui va l'emporter. Il y a une explication du Zohar qui dit que Esav, lui, il a reçu le monde de l'exil. Le monde de l'exil est sous la tutelle de Esav. Mais quand arrive la Géoula, alors Yaakov reprend le dessus. Yaakov reçoit le monde de la Géoula. C'est ce que Yaakov lui-même a renforcé quand on verra dans la parashat Vaishlach, où Yaakov va se prosterner devant Esav. En fait, il ne se prosterne pas vraiment devant Esav, mais à ce moment-là, il est en train de départager les camps. Quand il va faire un partage dans les camps et quand il va se prosterner, le Zohar dira, il n'a jamais fait une chose plus élevée, plus intelligente que ça. Il va accorder à Esav le monde de l'exil. C'est pour ça que les Goïm ont emporté sur les Juifs pendant tout ce temps de l'exil. Mais par contre, le monde futur, il va le prendre pour le judaïsme. Vous voyez ? Et en fait, c'est ça, c'est le talon. Déjà, dès qu'il était enfant, bébé, il dit donc, d'accord, Esav. Tous les deux se sont battus. Qui va sortir le premier du ventre ? Esav sort le premier, d'accord ? Mais je te donne de sortir le premier. Tu vas être l'aîné ? D'accord. Mais le talon, il est pour moi, il m'appartient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, le judaïsme a changé. Le juif peut faire Torah et Mitzvah dans le monde entier. Ils sont sans doute des milliers de goïms dans le monde entier qui écoutent sur Internet les cours des enseignants juifs, finalement. On ne peut pas l'empêcher, c'est une réalité. Donc la lumière du judaïsme commence à se diffuser. Il y a de plus en plus d'amis des juifs dans le monde entier, dans tous les pays. Donc le monde change. Et ce monde change parce que Yaakov a tenu le talon de Esav. Donc c'est vraiment quelque chose de profond qui s'est passé à cet instant-là. Et ces deux peuples qui luttaient entre eux, ils luttaient pour le monde, pour la réalité du monde. Et on verra dans la suite, dans notre paracha, c'est que Esav va vendre son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, il va vendre en fait sa... je sais pas comment, c'est comme ça qu'on dit en français, le droit d'aînesse. Sa Bechora, il va vendre maintenant le fait d'être Bechor, l'aîné de la famille. Mais l'aîné, ça désignait également le fait d'être celui qui va faire le travail de Kohen Gadol, en fait. Yaakov est celui qui va prendre le travail de Kohen Gadol avant même le temple, puisqu'il n'y a pas encore de temple. Mais on verra qu'à l'époque de Shem, Shem était le Kohen qui résidait à Jérusalem. Quand Abraham va remporter la guerre, alors finalement la Kehuna est transportée, le fait d'être serviteur de Dieu s'est transporté sur Abraham. Elle est retirée de Shem, elle est donnée à Abraham Avinu. Et en fait, Abraham va le transmettre à nouveau. Et cette Kehuna, ce fait d'être un serviteur de Dieu, c'est un choix. Et finalement, qu'est-ce qui va arriver au peuple juif ? C'est une nation de prêtres. On est tous des Kohanim en réalité. Et s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, on aurait été réellement des Kohanim, tous. Il n'y aurait pas eu les Kohen, les Lévi, etc. Il y aurait eu tout le peuple juif, même les Chet Kohanim, un peuple de Kohanim, un peuple de prêtres qui ferait le service de Dieu. Mais comme il y a eu la faute du Vaudor, alors on nous a enlevé la Kehuna. Elle a été donnée à Aaron et ses fils. Donc en fait, il y a une lutte que l'on va voir encore chez les enfants de Yaakov lui-même. Et cette lutte, elle engage le fait de perdre l'âme divine avant le don de la Torah. Puisqu'avant le don de la Torah, l'âme divine peut se perdre. Tout dépend de mon comportement, puisqu'elle n'est pas encore soudée au corps par le fait du choix de Dieu. Dieu n'a pas encore choisi le corps du juif pour y implanter une âme divine. Donc l'âme divine peut se perdre et c'est la peur de chacun dans cette période qui précède le don de la Torah. Et précisément, on va le découvrir par les enfants de Yaakov, qui sont tous des tzadikim, mais qui agissent de manière complètement folle, par rapport à Yosef essentiellement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une crainte terrible, c'est que Yaakov leur enlève l'âme divine, qui les relègue finalement au statut de non-juif, de goy, et que le seul juif de la famille soit finalement Yosef. D'où vient cette peur ? Elle vient du fait que Avraham a donné naissance également à Ishmaël et puis il a été écarté, puis c'est Yitzhak qui a pris sur lui l'âme divine et le fait de devenir un prêtre pour Dieu, devenir un Kohen pour Dieu. Ensuite, la même chose se retrouve avec Yaakov et Esav. À nouveau, c'est une lutte entre deux frères. Donc forcément, quand arrivent les enfants de Yaakov, ils portent en eux une crainte. C'est un peu, comme on dit, une psychologie, un traumatisme familial. C'est maintenant la crainte de se dire lequel d'entre nous va être rejeté, ou est-ce qu'il ne va avoir qu'un
d'entre nous. Évidemment, c'est plus difficile puisqu'ils ne sont plus deux frères à nouveau. Ils sont maintenant 12. C'est une tribu entière, c'est une grande famille. Et alors, ils ont une crainte terrible. Et on voit que dans le judaïsme, il y a cette crainte jusqu'à Matan Torah. À Matan Torah, tout le monde est sûr, ça y est. Tout le monde est rentré dans le judaïsme, plus personne n'est écarté. Et chacun doit devenir un service de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, vient le Baal Shem Tov et dit, n'oubliez pas que chacun doit être un serviteur de Dieu au même titre qu'Abraham et Travi Yaakov. Et qu'en réalité, on doit donc servir Dieu du meilleur de nos possibilités. Et il vient avertir tout le monde, il vient éveiller tout le monde à ce service de Dieu. Mais vient l'Admor HaZaken et il dit que, bon d'accord, mais comment servir Dieu? Alors je vais vous enseigner. C'est là où l'Admor HaZaken va nous transmettre le Tanya, et par le Tanya, la compréhension de ce qu'on est en train d'expliquer, de ce que l'on comprend à chaque fois qu'on étudie une paracha, ou finalement ce qui s'appelle le Avoda, le service de Dieu, comprendre finalement comment nous sommes un homme à la fois dans le monde, à la fois en lutte avec ce Esav qui est en moi, et à la fois capable de transformer ma vie pour devenir un clé pour Dieu, un réceptacle pour Dieu. Comment je deviens un réceptacle pour Dieu? J'utilise finalement la vitalité de Esav pour qu'elle devienne un feu, un nouvel engouement dans le service de Dieu. Et c'est comme ça que je ne suis pas un être inerte, que je ne suis pas mort pour le service de Dieu. Pourquoi on va dire cette chose-là? Pourquoi on peut être mort? Parce que on a bien compris depuis la paracha précédente que l'âme divine, elle va finir par recevoir sa vitalité de l'âme animale. Non, du corps lui-même. Mais l'âme animale, alors, qu'est-ce qu'elle va devenir? L'âme animale, en réalité, elle peut donner sa vitalité à l'âme divine pendant le temps de l'exil. Au moment de la Géoula, elle sera totalement transformée. Il n'y aura plus d'âme animale. Pourquoi? Parce que le simple fait de dire âme et animal, c'est quelque chose qui est comme un non-sens. Même si ces termes viennent des Grecs, on les a adoptés dans le judaïsme. Et on les a adoptés parce que c'est un moyen d'introspection, de compréhension de l'âme. On aborde de cette manière-là, de manière psychologique, quelque chose qui est totalement immatériel. Donc l'âme animale, c'est quoi? Cette tendance à vouloir du plaisir pour moi à tout prix, obtenir la satisfaction de mes désirs. L'âme divine, c'est d'être capable de me sacrifier pour un monde meilleur, pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour l'humanité tout entière. Donc c'est deux vies totalement séparées qu'il faut réunir au bout du compte. De dire que, en fait, quand je veux une vie meilleure, c'est pour moi également. C'est ce qu'on oublie. C'est celui qui va être capable de détruire tout le monde, mais qui ne prend pas conscience qu'il se détruit lui-même. C'est l'erreur de Korah, qui va être prêt à tuer une bonne partie du judaïsme, pourvu qu'il s'en sorte lui-même. Il va penser que même ses enfants vont mourir, il voit qu'il va y avoir une descendance de lui, c'est ses enfants qui vont se sauver, mais lui va mourir avec les autres. Et il entraîne tout le monde dans le gouffre, dans le puits, dans le guéhinnom. Pourquoi? Parce que finalement, il n'a pas fait cette transformation de l'âme animale. Et l'âme animale, quel que soit son niveau, aussi incroyable que ça soit, elle grandit avec moi. À chaque fois que je grandis, je l'entraîne avec moi. Et elle devient finalement un autre moi-même qui vit avec moi-même. Ou alors, à un certain moment, pour dire plus précisément, je ne sais jamais qui je suis. Et ce sont les questions qui découlent du Tanya. Lorsque je fais une mitzvah, je ne sais pas si je suis l'âme divine ou l'âme animale. Lorsque je fais une avera, je ne sais pas si je suis l'âme divine ou l'âme animale. Lorsque je suis content d'une mitzvah, est-ce que je suis l'âme divine ou l'âme animale? Oui, c'est difficile parce que je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Si je suis content d'une mitzvah, tant mieux, je suis l'âme divine. Mais de quelle manière je suis content? C'est une satisfaction personnelle. C'est de l'orgueil que j'ai grandi en moi, etc. Dans ce cas-là, c'est évidemment, c'est l'âme animale. Donc en fait, il n'y a pas de fin dans cette introspection et dans ce questionnement. Et l'être qui va vivre avec tout ça, il doit se dépasser. Voilà, on va laisser la première partie de notre cours. Si vous voulez, on fait au moins un petit peu de texte. On va départager les cours en deux parties. Que l'on vive la Géoula Amitié de Vachemin, que l'on transforme en fait cet être qui est en nous. Et que l'on découvre que on peut vivre avec ce qu'il y a de plus grand en nous, de plus fou. Et pour terminer, n'oubliez pas quelque chose de très important, c'est que Esav devait être Mashiach. Un Mashiach non pas comme David Améler, un Mashiach de Tikkun, de réparation, mais un Mashiach comme... De tout.
Moshe Rabbeinu, un Mashiach de Tov. Un Mashiach qui prépare le monde à la Géoula, mais qui n'est pas encore celui qui est le libérateur absolu, total, mais qui prépare le monde à la Géoula comme Moshe Rabbeinu. Et savent porter ça en lui. Mais il n'a pas réussi à se réaliser. Son âme vient du monde du Tohu, du monde de l'inconscient, une âme extrêmement élevée. Et la source de Esav est plus élevée que la source de Yaakov. Et le rabbi, il y a une sikha où il dit qu'il y a des courants de la Torah où il n'aime pas que l'on dise que cette phrase-là, que la source de Esav est plus élevée que la source de Yaakov. La source de l'âme. Mais en vérité, c'est vrai, puisque ça vient du monde de Tohu. Et Yaakov du monde du Tikkun. Le monde du Tohu, c'est le monde de la destruction qui a précédé le monde de Hatzilut, le monde de la reconstruction du Tikkun, de la réparation. Mais on dit dans la Chassidut que la source de Yaakov est plus élevée que la source de Esav. Parce que si une chose a une source, elle a aussi une source de sa source. Et c'est le secret des choses finalement. Est-ce qu'on va dire alors quoi ? Autant être comme Esav. En fait, on ne choisit pas. Mais on a une part en nous. Cette part, cette envie de vivre très puissante qui est dans chacun d'entre nous, qui fait qu'on n'accepte pas finalement de mal vivre dans la vie, de vivre sans argent, de vivre sans bonheur, sans passion, etc. Ça, c'est Esav. Mais on va dire, est-ce que Esav est vraiment mauvais dans ce cas-là ? Non. Parce que si on n'avait pas ce désir de passion, de se vivre, de bien vivre, alors on serait un petit rien qui s'enfermerait. Et ce petit rien, ça pourrait être l'âme divine, qui finalement s'enferme dans une vie tranquille et oublie de transformer le monde. Donc finalement, ce que le rabbi a voulu lorsqu'il a envoyé des shluchim, lorsqu'il nous a réveillés, lorsqu'il nous a dit « mais il faut apporter la Géoula » de la manière des lumières de Tohu, mais dans les réceptacles de Tikkun, c'est la force que l'on a d'être passionné. Pour vivre bien, on veut vivre bien aujourd'hui, c'est une nécessité. On veut vivre bien notre judaïsme, notre humanité, notre couple, notre vie avec nos enfants. On veut vraiment vivre bien avec l'opulence matérielle et spirituelle. Et c'est notre droit. Et Bezrat Hashem, Dieu va nous l'accorder dans la Géoula très fréquemment. Juste une question. Quand on dit que Dieu a créé le monde,